Hello, ben moi c'est Leïla. Je suis livreuse depuis 4 ans. Je suis représentante des livreurs Deliveroo depuis 2 ans. Je suis venue au Parlement aujourd'hui parce que j'ai entendu qu'il y avait une réunion de la droite et d'autres lobbyistes qui sont venus parler de notre travail sans nous en faire part. Donc on s'est invités nous-mêmes. On a fait venir, du moins se sont invités, Brahim Ben Ali, le leader des VTC en France, et puis Leïla qui est livreuse pour Deliveroo à Mulhouse, qui est représentante Deliveroo, pour leur faire entendre un autre son de cloche. On n'a jamais été conviés pour discuter de notre travail et de nos conditions de travail. Ce serait bien qu'on y soit conviés quand même, parce qu'on investit 70 heures par semaine de notre temps. Moi, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. Mon travail, je l'ai choisi, mais les conditions de travail, on ne les a pas dit dès le départ. S'il y a le lien de subordination qui est fait pour de la présomption de salariat déguisé ou autre chose, on aimerait récupérer tout ce qu'il y a derrière avec les avantages et les inconvénients. Si on reste indépendant, on aimerait pouvoir facturer nos services avec nos tarifs et non pas des tarifs imposés. Ben madame, vous ne nous respectez pas. Est-ce qu'il y a des travailleurs ici? Chaque fois, il faut négocier nos droits. Nos droits ne sont pas négociables. C'est tout, point barre. Voilà. Okay. Soit vous mettez les choses comme il faut, sans encore une fois aller du côté des plateformes, parce qu'aujourd'hui, vous devez être du côté des travailleurs. Madame Lexman, dernier message. Madame Lexman, la prochaine réunion, invitez les travailleurs. Vous n'êtes ni livreur, ni chauffeur. N'oubliez pas, nos droits ne sont pas négociables. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc le but de cette réunion, c'était clairement de faire pression sur les négociations qu'on a, nous, au Parlement. Et puis, ils avaient invité que des lobbies, que des représentants des plateformes, qui nous expliquaient que ça allait être la catastrophe si on donnait des droits aux travailleurs, ça allait être la catastrophe pour leur modèle économique. Eh bien, on ne les a pas laissés comme ça dans leur entre-soi, nous. Merci à vous, c'était un plaisir et je m'excuse de cette interruption. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.